le bois ne rend pas les coups. Le bois ne rend pas les coups. Pas les coups. Bonjour tout le monde, bonjour les amis, c'est Liala, comment allez-vous? Moi je vais super bien et bienvenue dans mon émission 100 minutes combo consacrée au guide pour débutants et intermédiaires sur Tekken 7. Et aujourd'hui on va continuer le guide concernant les shops de King et plus précisément les combo shops de King. Dans la première partie on a pu voir les shops au sol et les shops debout de King. Si vous avez manqué cette première partie, n'hésitez surtout pas à aller la voir. Donc ici on va se concentrer sur les combo shops de King, les shops où il vous attrape et commence à vous briser les os dans tous les sens. Vous avez mal partout, au visage, mais surtout au moral. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer que les combo shops de King ne sont pas une fatalité en soi. En effet, il suffit juste de reconnaître les animations de shop pour pouvoir les déchoper de manière efficace et simple. Donc c'est parti. Nous rentrons enfin dans le vif du sujet, à savoir comment je fais pour me sortir de son shop de l'infini. Nous sommes tous passés par là devant un Kingu. La pression qui monte, le corps qui se rechauffe d'un coup, la vision qui se trouble, la manette qui ne répond plus, la solitude et pour finir le désarroi total. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous donner les clés de lecture pour pouvoir vous sortir de ce mauvais pas. Je vous invite encore une fois à aller dans l'onglet paramètres d'affichage et d'activer l'option analyse des coups. Cette option est très importante car elle vous permettra de savoir à quel moment vous pouvez agir ou non. Dans notre cas précis, il permet de savoir à quel moment vous pouvez casser les combo shops de Kengo. Je n'ai rien de vocal à expliquer dans cette partie du guide à part vous dire de bien regarder les animations de shop de King et de vous concentrer sur les moments où le personnage qui subit les shops redevient de couleur normale. Tout est visuel. Ici, je vais vous montrer 3 fois le combo shop au complet suivi des phases que vous pouvez déchoper.
Nous sommes enfin à la fin de ce guide, les enfants. Je suis vidé. Non mais sérieusement, passer des heures et des heures à se prendre des prises de catch dans tous les sens par Kingu, ça épuise mentalement et moralement, les gars. Mais j'ai tenu bon. Tellement bon que je me suis mis à jouer le personnage. Et je dois bien avouer que c'est jouissif de faire subir aux autres ce que tu as subi durant plusieurs heures. En tout cas, vous avez maintenant toutes les clés en main pour vous défendre contre toutes les chopes de King. Il vous suffit à présent de vous entraîner de votre côté pour améliorer votre temps d'observation et de réaction pour sauver votre peau. Comme vous avez pu le remarquer, ce n'est pas réellement difficile de casser les combo shops de Kingu. À part les 50-50 au début de ces shops et à la fin de ces shops, la phase du milieu est souvent la même, ce qui vous donne beaucoup d'opportunités pour vous en sortir. Donc, le mieux est de réagir dès le départ pour subir le moins de dégâts possible. Moi, je vous laisse ici. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce guide dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous, de laisser un petit like d'encouragement ou non, c'est comme vous le sentez. Moi, j'en peux plus, je me casse, salut tout le monde.